l'archéologue Frank Gieco dirige un chantier pour découvrir l'étendue de la présence humaine. C'est une occasion incroyable. Carlisle a toujours été un endroit stratégique parce qu'il contrôlait le point de passage entre l'Angleterre et l'Écosse d'aujourd'hui. Ça a toujours été un endroit clé. Carlisle accueillait autrefois le plus grand fort du mur d'Adrien. Mais son héritage humain est presque totalement enseveli sous la ville moderne. Je serais étonné qu'on en ait exhumé 2%. Ça veut dire qu'il nous reste 98% du Carlisle de l'époque romaine à trouver. Je suis sûr que ce site a encore beaucoup plus de secrets à nous révéler. Après avoir dégagé la couche superficielle du sol, l'équipe découvre des traces de la vie il y a 2000 ans. Ça devait être un chien, non? L'argile ne devait pas être sèche quand un chien est passé et a posé la patte ici. C'est incroyable. Ces carreaux en argile ont été fabriqués localement et ils ont séché à l'air libre. Là, je viens de remarquer les empreintes d'un cerf qui a marché dessus pendant qu'elle séchait avant la cuisson. C'est un moment de vie, figé à jamais. Les fouilles révèlent un grand nombre de carreaux en argile, dont beaucoup sont soigneusement empilés, exactement comme les ont laissés les Romains. Pour Franck, c'est caractéristique d'un type de bâtiment bien précis. Ces piliers en argile soutenaient le système de chauffage souterrain d'un complexe de thermes romains. On a des fragments du sol, des murs et du plafond, un immense volume de matériaux. C'est incroyable pour des archéologues comme nous, parce qu'on a un aperçu de la vie de l'époque. Les bains collectifs faisaient partie intégrante de la société romaine. Il en reste des exemples impressionnants à Rome et à Pompéi. Les soldats profitaient aussi de cette tradition avec des versions plus modestes dans leur fort. Mais il est étonnant de voir des bains de cette ampleur dans une ville de garnison sur la frontière. Ce bâtiment fait sans doute quatre fois la taille des bains militaires standards. Avait-il une fonction à part? C'est très surprenant et donc passionnant.